Reliure et Grimoire, c'est donc une entreprise de reliure, un atelier de reliure qui réunit deux artisans. Et là, eh bien, nous faisons notre possible pour réparer et redonner une seconde jeunesse au livre. Le livre a toujours été important pour moi, un symbole très fort de connaissance déjà, et puis de transmission d'informations. Donc j'ai passé ma jeunesse dans les bouquins, dans les livres, et puis c'est devenu quelque chose vraiment d'assez essentiel jusqu'à ce que je découvre la reliure, le métier de la reliure, et c'est devenu plus qu'essentiel, c'est devenu mon métier. C'est un grand plaisir de venir à l'atelier et non pas de se dire qu'est-ce que je dois faire, mais aussi qu'est-ce que j'ai envie de faire. C'est gérer l'urgent et l'important, mais dans ce que l'on aime. C'est aussi participer, on va dire, à cette préservation du livre pour aller plus loin, pour l'amener encore plus loin. Nous avons des administrations, notamment des mairies, des paroisses, pour faire relier leurs registres, c'est assez important. Des bibliophiles, alors là, du coup, on a un petit peu tous les amoureux du livre dans leur domaine précis, que ce soit l'histoire, que ce soit un domaine très pointu, très précis. On a des particuliers qui, par amour de leur livre, c'est surtout une émotion, une transmission, un sentiment, quelque chose qui a été légué par un parent et qu'on veut retransmettre. Et puis on a des rôlistes, puisque je suis joueur de jeux de rôle et je me fais une spécialité en tout cas de relier ce type de livre qui est un loisir de plus en plus en vogue en ce moment. Et qui permet aussi de faire beaucoup de créations. Il y a des stages, je vais recevoir 4 personnes qui vont amener leurs livres et pendant toute une semaine, ils vont relier eux-mêmes sous ma direction leurs livres en cuir à décor, c'est-à-dire qu'on va faire des décorations alors sur les couvertures. Ils vont pouvoir repartir avec leur reliure signée. Les gens apprécient énormément les vidéos que je fais sur Facebook. Et donc, j'aimerais, dans l'idéal, avoir du temps pour préparer des vidéos sur YouTube, pour faire une chaîne YouTube sur l'histoire de la reliure. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter, ne serait-ce que la grande bibliothèque d'Alexandrie, en parler, sa concurrence avec Pergame, la naissance du papier, l'évolution du style de la reliure, la création vraiment du papier en Chine. Plein de choses, plein de sujets qui sont, je pense, très intéressants, qui peuvent plaire aux gens.